tu fais de ton jeudi. Je t'invite une quatrième fois dans le 5 à 7 d'Arlette Farah. Pour la huitième fois de 2020 et la quatrième fois cette semaine, m'adaptant aux circonstances de la vie terrestre qui me rendent disponible à mon poste d'auteur, compositrice, interprète, je vais m'inspirer des artistes et des invités du 5 à 7 d'Arlette Farah sur les ondes du Canal M pour créer une chanson. Le 5 à 7 débute dans une minute, alors j'ai un dictionnaire papier-crayon pas loin, et puis c'est parti. Je viens d'entendre le premier tag de l'émission. Il va y avoir Francine Larreau pour son billet « Humeur ». Poussa Divani pour sa chronique mortelle, Jean-Michel Touki de la Comédie de Montréal, et il y aura Catherine Perron qui va nous parler des éditions Mortagne. La première chronique qu'on a entendue dans le premier segment, c'est celui de Madame Larreau, Francine Larreau. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'elle a fait une petite salutation à tous les gens qui étaient en onde avec des rimes. Et étant donné que c'est elle qui offrait ce concept-là, elle ne l'a pas reçu. Donc, moi, j'ai décidé de faire une chanson où le personnage principal va être Mme Larreau. Je viens juste d'apprendre que jeudi 19 mars sera le dernier 5 à 7 pour un bon moment. Étant donné les circonstances, la station choisit de suspendre pour le moment les 5 à 7. Alors, je suis contente d'avoir eu l'élan de profiter des derniers 5 à 7 pour cette semaine. Je vais faire un petit bout d'explication avec ma voix. Donc, il y a eu la chronique de Poussadi, il y a eu aussi la chronique de Jamin qui parlait théâtre, et il y a eu celle de Catherine des éditions de Mortagne. Et ces gens-là, à tour de rôle, ont couvert des sujets comme par exemple la mort, le deuil, le théâtre, les auteurs, les gens qui font la différence en écrivant. Donc, à travers le personnage de Madame Larreau, j'ai fait parler tous ces sujets-là. Cette chère Madame Larreau, la main sur le carreau, à sa fenêtre, elle cherche son cœur de fête, artiste de son temps et du temps qui change si vite, sur un rythme hésitant, comme quand les repères nous quittent. Petit enfant, elle se voyait au lever des rideaux sur une scène mettre en lumière les textes et puis les mots qui sont le baume au cœur de ceux qui ont oublié le beau. Qui nous tenait à lancer la serviette à la bonne heure ou à la bonne franquette. Faut-il faire ce qu'il faut? Mais que faut-il faire? Faire le vrai, faire le faux, la trêve ou bien le boulot? Cette chère Madame Larreau, la main sur le carreau, elle voit un soleil d'or sur le décor champêtre. Peut-être que le présent est l'avenir à naître, et peut-être qu'en chantant reviendra son cœur de fête.
refait sa part du monde, accueillant ce qu'il y a de nouveau à mesure des secondes.